C'est la volonté du club d'avoir autant de jeunes dans l'effectif. C'est même l'ADN du club. T'as un outil là qui a été construit, qui est exceptionnel au niveau de la formation, mais qui nous coûte aussi énormément d'argent puisqu'il coûte 5 millions d'euros de fonctionnement à l'année. Donc on se doit de former et de vendre malheureusement, mais ça nous permet d'exister aussi. Tu te rappelles toi quand tu étais plus jeune? Non, à Nice, moi c'était le Vietnam qu'on s'entraînait sur la terre. Bon après c'est neuf, hein, c'est un an. Donc, mais même. Ils sont mieux que certains clubs. À la limite, ouais. À mon avis, il y a très peu de centres de formation en France qui ont cet outil-là. J'ai envie de te dire même des équipes premières. Hein. Même des équipes premières, ouais, je suis d'accord. Mais il faut le rentabiliser. Prends l'exemple de NTEP l'année dernière. Ouais. Vous êtes obligé de le vendre. Obligé de le vendre parce qu'il a une valeur marchande et qui permet d'équilibrer les comptes et de continuer à faire vivre la GIA. Quoi. Si l'année dernière, il n'y a pas un TEP, je pense que la saison se termine différemment au niveau financier. Non. Allez, Canto, là. Canto qui ? Raph, il ouvre. Ah, voilà, ouais. Boomsong, Maxès. Il y a Matisse. Ouais, Djibril. Guingampé aujourd'hui. En fait, voilà, dans chaque portion, il y a des tableaux avec qui racontent un peu l'historique et l'histoire de ce club avec tous les joueurs formés. Les photos de joueurs qui sont passés par le centre de formation. Ouais. Ça leur met pas beaucoup de pression? Non, je pense que ça les tire vers le haut et ça leur donne envie de les imiter en tout cas, ça c'est sûr. Parce que là, quand on pense à Boli, Cantona, Pruny, Mexès, Wumsong, Diomède, Marley, est-ce que ces joueurs t'ont inspiré? Bien sûr, je regardais les matchs de Cissé, Mexès, Capo à la télé quand j'étais plus petit, même au stade. Donc, ouais, franchement, ça serait quelque chose de bien de faire leur carrière. Il n'y a pas de pression? Si, il y a un peu de pression, parce que tu te dis que tu quittes ton pays, où il y a plein de gamins qui rêvent d'avoir ta place. Et donc, c'est une pression en plus. Tu es obligé de montrer aux gens que voilà, si t'es parti, c'est que tu as des qualités. Le centre de formation, il a bien changé depuis tes débuts, non? Si, je connais, parce qu'avant, j'étais à la Pyramide, on avait un casier pour quatre. Les vêtements, ils n'étaient pas lavés par les gens au centre. Donc, en fait, c'est des expériences qui te forgent le caractère. Et ceux qui arrivent maintenant, c'est plus facile alors? Ceux qui arrivent, ils ont le confort. Mais après, même s'ils avaient le confort, je pense que les coachs, ils sont là pour les rappeler que t'es un gamin, t'es un jeune, t'as rien fait encore. Voilà. Ah, ils sont pas tout de suite avec les pros. Non. Donc là, tu as tous les jeunes pros. Kilic, Berthier, Tamouzo, Lenog, Sonny Séphil, Alex Vincent. Tous les jeunes pros qui signent leur premier contrat ne sont pas mélangés avec les anciens. Pourquoi? Ça garde, moi je trouve que c'est intéressant, ça garde quand même une différence entre justement le gamin qui démarre et celui qui est un peu plus aguerri. Donc tous les 96, 95, 94 sont ici. Ouais. Je trouve que c'est intéressant par contre. Je me disais, putain, ils font le plus beau métier du monde, ils le savent pas. C'est exactement ça. C'est rien de mieux. Et quand ça s'arrête, tu te dis, c'est dur quand ça s'arrête. L'outil est fantastique pour la formation, c'est top. En revanche, quand ils arrivent, ils ont déjà tout. On les a mis déjà dans les meilleures dispositions. Donc, je parle comme un vieux combattant, mais nous, on se changeait dans le vestiaire des arbitres. Ouais. On mettait nos affaires. Quand il y avait le match le week-end, on les ramenait, on les mettait dans un coin. Ouais, c'est ça. T'apprenais ton métier alors que là ils sont pas pros déjà, ils sont tellement bien. Ouais, ils vivent comme des pros. Et l'ambition du club est bien entendu de retrouver la Ligue 1 parce que la GIA n'a rien à faire dans cette division. On manque encore de maturité, mais ça va venir avec le temps et le travail. Et la Coupe de France? Écoute, c'est la bonne surprise de la saison. On arrive à un stade où on s'est vraiment pris au jeu puisqu'on est en demi-finale. On aimerait aller au Stade de France. Ah justement, tu vas rencontrer une équipe que tu connais bien. Ouais. Parce que tu as fait une finale justement en 97. C'est loin. C'est au siècle dernier. C'est au siècle justement dernier. Contre Guingamp, des bons souvenirs, Guingamp. Ouais, c'est. Le destin est ainsi. J'espère que je serai plus heureux qu'à l'époque. Puisque j'avais perdu contre Nice, mon club formateur, et là, bon, j'aurais bien faire un pied de nez à mes amis Guingampé. Voilà. Et puis, en finale, c'est pas rien quand même. C'est beau, non? Et surtout pour tes jeunes joueurs, pour ceux qui ont participé justement à la victoire en Gambardella l'année dernière, se retrouver un an après
pour une finale de Coupe de France. C'est incroyable. T'imagines, toi, des gamins, en un an, ils peuvent avoir fait finale de Gambardella, gagner, et puis se retrouver en finale de Coupe de France, leur première année senior. Ouais, c'est assez extraordinaire, ça ne peut pas arriver tous les matins. L'avenir va rapidement arriver, hein, puisque c'est dans une semaine maintenant. Mais en tout cas, voilà, l'avenir de la GIA passe par nos gamins, quoi qu'il arrive. Et c'est une priorité du club, du président et de l'actionnaire. On est là pour faire de la post-formation et amener des jeunes à maturité. Donc ça sera perpétué, quoi qu'il arrive.